Bonjour, bonjour, bienvenue à toutes et à tous sur Cocotte TV. Aujourd'hui, nouvelle vidéo de présentation. On va encore parler boîtier PC avec le tout nouveau Cooler Master Masterbox 600. Un boîtier qui est orienté airflow avec un panneau en verre trempé sur le côté gauche qui arrive avec 3 ventilateurs de 140 mm à l'avant et un ventilateur de 120 mm à l'arrière. On a bien sûr du RGB sur ces ventilateurs, mais surtout, ce nouveau boîtier par Cooler Master est compatible avec les cartes mères qui proposent des connecteurs à l'arrière, à savoir les cartes mères Asus BTF et MSI Project Zero. Un boîtier qui propose donc un châssis moderne et adapté aux nouvelles configurations. Au niveau du tarif, on sera à 114,90€ pour cette version avec ses 4 ventilateurs. On vous propose d'en faire un tour complet. C'est tout de suite, c'est maintenant, c'est sur Cocotte TV. On commence comme toujours avec les tech specs. Ce Masterbox 600 sera disponible en blanc, en noir. Il mesure 474 mm de profondeur sur 230 mm de largeur, sur 480 mm de hauteur. Il pèse 7,9 kg. Il est compatible ITX Micro ATX ATX. Il est compatible avec les cartes mères qui proposent les connecteurs à l'arrière. On est également compatible sur du EATX. Attention, 280 mm de largeur maximum. On a 7 slots d'extension pour installer 2 disques durs. On pourra mettre jusqu'à 6 SSD au maximum à l'intérieur de base. On a 3 ventilateurs de 140 mm à RGB à l'avant, un ventilateur de 120 mm à l'arrière. On pourra mettre de la carte graphique en 410 mm maximum et du ventirad CPU en 170 mm de hauteur. Disons-le tout de suite, ce Masterbox 600 présente très bien et il est extrêmement bien fait. On a un métal qui est relativement épais, on a des mèches plastiques qui ont des finitions superbes. C'est un beau boîtier Cooler Master. On est sur un boîtier complètement orienté airflow avec une face avant intégralement en mèche, mais avec des trous qui ne sont pas si gros que ça. Derrière, on va retrouver, vous le voyez, 3 énormes de ventilateurs de 140 mm en ARGB. On a une petite bande blanche à gauche comme à droite, un petit logo stylisé dans la partie basse, ça rend très bien. Vous le verrez en fin de vidéo, on voit assez bien le RGB une fois que le boîtier est allumé. Si on passe sur le côté gauche, on va retrouver un panneau en verre trempé avec des pourtours qui sont peints en noir. Si on passe sur le côté droit, on va retrouver un panneau qui est lui tout simplement en acier. Les amis, avant de découvrir le reste de notre vidéo, on vous propose un petit peu de réclame pour GVG Mall, notre partenaire pour les clés Windows, un partenaire qui nous soutient depuis plus de 2 ans et on utilise très régulièrement les clés Windows pour nos machines. On utilise aussi les clés Office. Alors, comment ça fonctionne? On vous montre rapidement. Vous allez sur le site GVG Mall. Ici, vous tapez Windows 10. On prend l'exemple de Windows 10. Ensuite, hop, petite vidéo ici qui va vous expliquer comment ça fonctionne. Vous allez faire acheter maintenant sur cette fenêtre où vous allez avoir la licence Windows 10. Vous n'oubliez pas de mettre le code promo CVIP qui vous permet d'avoir la ristourne de Cocotteland sur votre clé Windows. Ensuite, vous allez soumettre la commande. Vous allez arriver sur la page de paiement. Sur la page de paiement, vous pouvez le voir, vous avez tous les moyens de paiement qui sont disponibles, hein, que ce soit par de la carte bleue, par PayPal, par tout ce que vous voulez. Vous allez faire payer maintenant. Ensuite, une fois que vous aurez payé votre licence, vous allez avoir à l'intérieur de votre panier votre clé Windows qui va apparaître. Et là, il suffit juste de copier votre clé Windows et de la mettre sur votre produit Windows 10 pour pouvoir tout simplement activer votre Windows et utiliser pleinement votre licence Windows 10. Donc, vous avez vu, 40 secondes à peu près et le tour est joué pour avoir une licence officielle pour votre PC. Il est possible de démonter la face avant du boîtier simplement en la tirant par le bas, ce qui vous permettra d'avoir l'accès aux 3 ventilateurs de 140 mm qui sont à l'extérieur du boîtier, ce qui veut dire que vous aurez beaucoup de place à l'intérieur pour du water cooling jusqu'à 420 mm. On a également une compatibilité en 3 x 120 mm. Dans la partie haute de notre Masterbox 600, on va retrouver un power on qui s'illumine en blanc, qui reprend la forme du logo Cooler Master, le bouton de gestion du RGB, la diode d'activité HDD, une entrée-sortie audio, un USB type C, deux USB 3.0. Ensuite, à gauche, on va avoir une grille avec un mèche plastique aimanté. Sous cette
Sous ce mesh plastique aimanté, on va avoir une grille en 3 x 120 mm ou 2 x 140 mm qui est également compatible radiateur de water cooling en 280-360 mm. On passe à l'arrière avec l'emplacement de la plaque EOShield de la carte mère, l'emplacement en 120 mm avec son ventilateur. Ensuite, on va avoir 7 slots d'extension avec des caches qui, vous le voyez, sont ni ajourées, qui sont soudées. Et en plus, on est sur un cadre qui n'est pas frameless. Donc, pour pouvoir passer la carte à 90 degrés, ça va être un petit peu compliqué. Le montage se fait avec des vis classiques. On a une nouvelle grille additionnelle pour la ventilation. Dans la partie basse, on a l'emplacement de l'alimentation sans patin pour lutter contre les vibrations et avec un filtre amovible qui est présent en dessous. On termine sous notre boîtier avec des pieds en plastique qui intègrent des énormes patins en mousse. Hein, on a presque 1 cm de mousse. Ici, on voit les différents points d'ancrage pour la cage HDD qui est amovible, qu'on pourra aussi avancer ou reculer. Enfin, ici, on a le filtre en mèche plastique à destination de l'alimentation. On passe maintenant à l'intérieur de notre boîtier Masterbox 600 par couleur master. On va d'abord vous dire qu'on est sur un boîtier qui est compatible ATX, micro ATX. Et vous le voyez, on a tous les passages pour la compatibilité avec les cartes mères qui proposent des connecteurs à l'arrière, à savoir tout ce qui est Asus BTF et MSI Project Zero. Ensuite, on va également retrouver un large accès backplate et on va également retrouver 2 passages sur le côté avec des caches en caoutchouc, donc ainsi les câbles vont être bien dissimulés. Dans la partie basse, on a un cache alimentation avec 3 passages dans le fond, un passage sur la partie avant pour les câbles PCI Express de la carte graphique et on a une très large ouverture à l'avant pour pouvoir mettre du radiateur de water cooling si on démonte bien sûr la cage HDD. Cage HDD qui est amovible. À l'avant, on va trouver 3 ventilateurs de 140 mm qui sont montés sur une grille qui est également compatible 3 x 120 mm. Pour les radiateurs de water cooling à l'avant, on pourra mettre du 360 mm ou du 420 mm. Si on passe à l'arrière, on va retrouver un ventilateur de 120 mm en ARGB. Comme à l'avant, on va également avoir des grilles avec des très larges trous. On va retrouver 7 slots d'extension. Comme vous le voyez, il en manque 2. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'on est sur des caches qui sont soudées. Il faut donc arracher les caches pour faire le montage. Et en plus, on n'a pas de système pour venir remplacer les caches manquants une fois qu'on a démonté le boîtier. Le système de montage se fait avec des vis classiques au niveau des slots d'extension. On termine dans la partie haute. Dans la partie haute, on va retrouver une grille avec des très larges trous également, mais on n'est pas sur des emplacements totalement extrudés. On aura une compatibilité en 3 x 120 mm ou 2 x 140 mm. Et pour le water cooling, ça sera 280 mm ou 360 mm maximum. Continuons maintenant à l'arrière du plateau de la carte mère. On retrouve ici un petit PCB pour gérer 4 ventilateurs ou 5 périphériques RGB. On va avoir 3 emplacements pour des SSD. Le système de montage se fait avec des rondelles en caoutchouc. C'est pour ça qu'on a laissé 4 rondelles pour vous montrer. Ensuite, on installe des tiges spécifiques sur le SSD et on vient clipser le SSD dans ces rondelles en caoutchouc. Ici, on a les 2 passages pour le cable management, tous les passages pour le BTF ou le Project Zero, l'emplacement pour la plaque EOShield, l'emplacement pour la backplate de votre ventirad CPU. Ici, on va retrouver une cache HDD qui est compatible avec 2 disques durs ou 2 SSD. On retrouve des rails avec des petits patins en caoutchouc pour le système de montage DSD-HDD. Donc c'est ultra rapide, hyper simple. Et sur le dessus, on a également un petit emplacement SSD en 2,5 pouces, toujours avec les rondelles en caoutchouc et les tiges. Sachez que la cage est amovible, on pourra la reculer, l'avancer, la retirer. On a ainsi une compatibilité assez impressionnante pour les alimentations. Si on est au plus près, on a 170 mm, ensuite on a 210 mm, et ensuite sans cage HDD, on a zéro limite. Enfin, l'emplacement de l'alimentation, il est filtré par en dessous avec un petit mesh plastique. Par contre, on ne retrouve pas de système anti-vibration au niveau de l'alimentation. On découvre maintenant le châssis avec la configuration montée à l'intérieur de ce dernier. Alors, on va apprécier le très large espace qu'on a dans la partie haute, hein, ce qui veut dire qu'on pourra mettre du radiateur de water cooling sans aucun problème. À l'avant, tout pareil. En plus, on a une énorme ouverture dans le cache alimentation. Donc, c'est très bien. Ensuite, on a les 2 caches en caoutchouc qui vont permettre de dissimuler une grande partie des câbles. Et on a un cache alimentation dans la partie basse avec plein de passages dans le fond et un passage à l'avant pour pouvoir passer les câbles PCI Express. Par contre, on regrette que pour
pour monter la carte graphique, il faille arracher les deux slots. On comprend pas pourquoi Cooler Master nous a pas mis des slots classiques avec des caches ajourées, non soudées, avec un petit montage classique par vis. Ça aurait été parfait. Mais là, on est vraiment sur quelque chose qui, si on arrache les slots, on pourra plus les remettre. Et en plus, dans le bundle, on n'a pas de slots additionnels pour venir couvrir les trous qui ont été faits par les slots qui sont arrachés. C'est dommage parce que franchement, pour le reste, il n'y a rien à dire ou redire de ce Masterbox 600. Et quand on passe à l'arrière du châssis, eh bien c'est tout aussi propre. On a bien des dispositifs partout pour pouvoir mettre des colliers. On a des dispositifs surtout à côté des grands passages, donc on va pouvoir faire les regroupements de câbles pour avoir un montage ultra propre. On a le PCB qui va permettre de gérer facilement les ventilateurs, le RGB. On peut gérer 4 ventilateurs, on peut gérer 5 périphériques RGB. Le système de stockage ici pour les SSD, on a 3 emplacements. On a la cage HDD qui pourra prendre en charge 2 disques durs avec des rails, donc avec du montage hyper rapide et hyper facilement. Également un emplacement pour pouvoir mettre un SSD sur le dessus. Et vous le voyez, on a encore 2 emplacements SSD ici et là. Donc ça veut dire 5 SSD de base. Ça c'est vraiment très bien. Et on a, comme on le disait en début de vidéo, on a tous les passages pour les cartes mères Asus BTF et MSI Project Zero avec une compatibilité ATX et micro ATX. Ce qui veut dire que les deux formats sont pris en charge par ce Masterbox 600. On passe à notre Masterbox 600 allumé afin de profiter du RGB. On a un PCB qui va permettre la gestion de 5 périphériques RGB et de 5 ventilateurs. On a donc nos 4 ventilateurs qui sont branchés de base pour le RGB, mais aussi pour la ventilation. Et on va avoir 4 périphériques RGB, dont le ventilateur CPU de notre machine, ce qui veut dire que la gestion du RGB sera facile et relativement automatique. Cependant, vous allez le voir, alors déjà en vous approchant, vous allez constater que le boîtier fait un certain bruit. Par contre, on a un mode de gestion du RGB qui est relativement restreint, on va dire. C'est-à-dire qu'on va avoir toutes les couleurs en briefing, comme ceci. On pourra bien sûr éteindre les diodes. On appuie longtemps sur le bouton et ça permet d'avoir l'extinction de toutes les diodes. Donc ça, c'est plutôt bien. Quand on va appuyer, ça va repartir en mode briefing. Ensuite, on va avoir un mode qui va faire défiler toutes les couleurs. Un mode qui fait défouler les couleurs en clignotement. Un nouveau mode arc-en-ciel. Un mode qui va faire des couleurs qui viennent retaper les unes sur les autres. Un peu le même mode, un mode encore un peu différent. Et ensuite, on va avoir un mode qui va passer toutes les couleurs les unes après les autres. Mais par exemple, on va pas avoir tout simplement de couleur fixe. Donc, on est vraiment très, très, très limité sur la gestion du RGB. C'est un peu dommage, mais vous pourrez relier le PCB à votre carte mère et gérer le RGB avec votre carte mère. Donc, techniquement, il y aura quand même des solutions. Ensuite, au niveau de la ventilation, on est très bien. Même si les trous à l'avant du boîtier sont relativement petits sur le mesh métal, hein, puisqu'il fait aussi office de filtre. Alors, ça refroidit bien. On va vous dire pourquoi. Parce qu'on a des ventilateurs qui tournent très très vite, qui envoient beaucoup d'air à l'intérieur du boîtier. Ce sont des gros 140 mm. On est à 55,6 dB quand on est en 12 volts, donc quand les ventilateurs sont à fond. Donc autant dire que c'est vraiment, vraiment bruyant. Hein. Si je m'approche, vous allez vraiment les entendre. Si on passe en 5 volts, ça va être plus silencieux, mais on reste à 39,9 dB. Donc, autant dire que même en 5 volts, on va entendre grave le boîtier. Le boîtier est clairement fait pour offrir de la performance et pas du silence. Voilà, vous savez tout de ce Masterbox 600 par Cooler Master, un boîtier ultra airflow qui se veut ultra performant. Rendez-vous très prochainement sur cocodeland.com pour toutes nos news et tous nos articles à propos du matériel informatique et sur Cocode TV pour toutes nos prochaines vidéos. Sur ce, on vous dit à très bientôt.